Hello, salut, salut, c'est Jolivas Fast Learning qui revient vers vous avec un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à économiser vos données internet. Beaucoup d'entre nous se plaignent chaque temps que, après avoir souscrit à un forfait, nous n'arrivons pas à tenir même 5 minutes, par exemple avec 100 mégas. C'est vraiment chiant, nous accusons à tort et à travers les distributeurs d'accès au réseau dans notre pays. Pour pallier à ce problème, je vais vous proposer une application vraiment qui fait des merveilles et qui va vous soulager. Cette application est tout simplement NetGua, comme je le saisis là, NetGua. Quelle est la spécificité de cette application? Cette application vous permet tout simplement de délimiter l'accès à Internet des différentes applications que vous avez sur votre smartphone. C'est-à-dire que vous pouvez décider quelle application aura droit au service Internet, que ce soit par le réseau mobile, que ce soit par une connexion Wi-Fi. Ça veut dire que vous définissez les applications qui auront droit à l'accès Internet. C'est simple comme bonjour. Revenons dans l'application et verrons cela de plus près. Je suis dans l'application. Vous verrez, voilà toutes les applications que je possède dans mon smartphone. Vous verrez là, je prends par exemple le réseau social le plus visité par tous, Facebook. C'est un réseau social qui est beaucoup visité. Je vais faire l'expérience avec ce réseau social. Vous verrez là Facebook. Vous verrez là le réseau Wi-Fi est barré. Or, le réseau, les données mobiles sont activées. Je vais barrer les réseaux mobiles et j'active plus haut là, à l'angle, à l'extrême droite de mon écran. Je valide là et je m'en vais chercher mon application Facebook Live. Vous verrez tout simplement que je serai incapable. Je ferme l'application, c'était déjà ouvert. Je relance. Vous verrez tout simplement que je serai incapable de me connecter à Internet. Vous verrez, ça va tourner là, ça va tourner, ça ne va pas se connecter. Pourtant, j'ai bien la connexion Internet. Donc, c'est ça la spécificité de cette application. Je referme mon Facebook, puisque ça n'arrive pas à accéder à Internet. Je vais tout simplement dans mon application, tout simplement NetGua. Je suis dans mon application. Et je regarde Facebook où il y a Facebook. Et je le réactive. C'est-à-dire, j'autorise son accès à Internet. Ici, je viens d'autoriser l'accès à mes données mobiles. Je reviens tout simplement rechercher Facebook. Vous verrez, ça va se connecter immédiatement. Je suis déjà dans Facebook. Vous voyez que avec cette application super, vous pouvez délimiter l'accès à Internet de bon nombre d'applications, que ce soit les applications système. Vous savez que pour ceux qui ont des téléphones de haut gamme, lorsque ces applications ressentent la moindre connexion, elles commencent à se mettre à jour automatiquement sans votre consentement. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens se plaignent. J'ai souscrit à 100 mégas, je n'arrive même pas à faire 2 minutes avec. C'est normal. Si vous avez les applications qui tournent en arrière-plan, c'est normal que votre connexion ne dure pas. Donc, j'espère bien que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, liker et abonnez-vous. À nous revoir pour le prochain tutoriel. Merci.